Allez, Diego, ça. L'argent, et c'est vous qui avez construit les maisons. L'administrateur, il fait appel nous devant le bureau et il fait nous savoir s'il peut fermer. Tout le monde a besoin d'aller. Nous avons besoin de quitter la terre Péros pour nous aller nous retourner Maurice. Mais là, nous, en pressant, nous avons nous coffre, longtemps nous mettons le saut dans le coffre, l'aise. Et qu'il y a un matelas. Et ben, nous avons fait la cuisine, nous ne sommes pas capables de nous inquiéter. Et il y a un embarqué, nous. Féroce Banus. Et vous pensez, oui. 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 En Angleterre. En Angleterre. Oui. On a essayé de négocier avec les Anglais, mais ils n'ont rien entendu. Et c'est pour cette raison que depuis 1997, on a entrepris des actions légales contre le gouvernement britannique. Et on a connu la victoire, on a connu les défaites, mais on est aussi jamais découragé parce qu'on sait que notre cause, c'est un cause juste. Ce que nous demandons, c'est notre dignité, c'est notre droit fondamental.